Salut, c'est Yann, et aujourd'hui je voudrais te parler de comment créer des morceaux qui soient hors du commun. C'est valable pour des morceaux de musique, mais c'est valable également pour du live ou pour d'autres types de productions musicales. La question à te poser, c'est est-ce que tu fais la même chose que ce qu'on entend ailleurs, que les autres artistes, ou est-ce que tu as plutôt vraiment envie d'innover, de te démarquer, de te distinguer des autres et d'avoir vraiment ton propre grain? Alors là, je voudrais te parler de trois choses en fait qui peuvent t'aider vraiment à sortir du lot. Alors, la première astuce, si tu veux, la première chose, c'est de créer une surprise, en fait, d'intégrer une surprise dans tes productions musicales. Alors, une surprise, qu'est-ce que c'est? On peut imaginer, par exemple, au sein d'un même morceau, un morceau qui ferait, par exemple, 5 minutes 30, eh bien, au bout de 3 minutes, intégrer quelque chose qui va vraiment bluffer le public, bluffer les auditeurs. Alors ça, là on peut imaginer plein de choses, des choses en fait qui soient pas attendues en fait, des choses qui vraiment vont les surprendre. Ça peut être par exemple passer brusquement d'un style musical, donc du style musical de ta production vers un autre style qui est complètement différent, mais donc de le faire de manière fluide et naturelle, mais du coup les gens ne s'y attendent pas, donc ça peut les étonner. Tu peux comme ça intégrer différentes idées en fait pour créer une surprise. Ça peut être d'intégrer un break qui soit vraiment assez long ou qui soit complètement minimaliste en termes de nombre d'instruments, donc qui soit très 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 peu chargé en instruments, et donc de mettre les gens un peu dans une espèce d'atmosphère. On peut imaginer plein de choses, on peut imaginer des choses même un peu farfelues. Ça peut être un changement de tonalité au sein même de ton morceau, donc ça c'est pas forcément quelque chose que je vais te conseiller de faire, mais si c'est sur une toute petite partie du morceau, pourquoi pas. Également, pourquoi pas une automation de tempo, un changement de tempo très provisoire pour revenir sur le tempo initial par la suite. Donc voilà, donc ça c'est juste des petites idées comme ça que je te donne, mais en gros le principe en fait c'est vraiment de faire quelque chose qui va que tu n'as jamais entendu ailleurs ou que tu n'as jamais entendu dans un autre morceau du même style musical que tu pratiques, pour pouvoir vraiment faire un peu la différence quoi. Alors une deuxième astuce que tu peux travailler pour te distinguer des autres producteurs, c'est de travailler sur les structures musicales de tes morceaux ou même de tes lives. Ce que j'appelle structure musicale, tu sais, c'est l'agencement en fait des boucles pour créer les breaks, pour créer l'intro, l'outro, pour créer toutes les différentes phases, comme ça les phases où les instruments arrivent les uns après les autres pour se construire petit à petit, pour construire le morceau petit à petit. Ça peut être également la phase après un drop, donc après un gros break, et donc là où ça pète vraiment, où c'est un peu le feu d'artifice de ton morceau ou d'un passage de live. Tout ça tu peux envisager en fait de travailler ces structures différemment. C'est-à-dire que peut-être que tu as pris l'habitude, moi c'est ce que j'ai fait depuis un moment, j'ai pris l'habitude d'avoir des structures qui soient assez identiques d'un morceau à l'autre, parce que ça nous fait gagner du temps quand on compose, parce que ça c'est un peu par simplicité, puis c'est des choses qui fonctionnent. Mais de temps en temps, c'est bien d'innover, de faire quelque chose qui va vraiment se différencier. Je te donne un exemple. D'habitude, tu crées une intro de morceau sur 4 patterns, donc sur 4 boucles de 16 temps, ou sur 8 par exemple, si tu as pris l'habitude de faire ça parce que tu trouves que c'est la bonne durée en fait, entre pas trop court et pas trop long non plus, avant de bien rentrer dans le morceau, c'est bien, mais pourquoi pas de temps en temps créer un morceau dans lequel tu vas faire une intro très très longue, une intro qui sera peut-être 3 ou 4 fois plus longue, et en fait cette intro elle va peut-être pas être jouée par tous les DJ systématiquement, mais elle va pouvoir être très intéressante pour faire une intro de set, pour faire une intro de set DJ ou d'un set live. Et donc rien que pour ça, de temps en temps, changer en fait la façon dont tu crées tes structures musicales, toute l'évolution de l'énergie comme ça dans tes compos, c'est quelque chose qui peut te permettre vraiment de, voilà, encore une fois, de faire quelque chose que les autres ne font pas forcément. Et enfin, il y a une troisième approche pour faire des choses vraiment différentes, ça va être de travailler sur les sonorités. Donc ce que j'appelle sonorité, c'est vraiment le grain, un peu le son de n'importe quel type d'instrument. Donc ça peut être un instrument réel comme une guitare, une basse, une caisse claire, des éléments de batterie, mais ça peut être également des sons synthétiques, des sons qui viennent d'un synthé.
des sons en fait qui sont pas naturels quoi, si tu veux, ça peut être des FX, etc. Et donc là tu peux faire pas mal de choses pour créer des sonorités qui te soient vraiment, vraiment spécifiques à toi et qu'on reconnaisse un petit peu bah, ta sauce en fait, ton grain, ta personnalité dans ces sonorités là. Et donc ça tu peux faire pas mal de petites choses en fait là-dessus, tu peux cumuler plusieurs fragments de sons et les agencer les uns après les autres en fait pour créer au final un son unique. Ça marche bien par exemple pour des FX. Tu peux appliquer des différentes techniques de MAO, tu peux par exemple faire des automations, donc enregistrer des mouvements sur des réglages de manière à ce que ton son il évolue de manière à ce qu'un réglage du son évolue dans le temps. Donc tu vois, ça peut faire vraiment comme ça quelque chose qui soit pas linéaire mais quelque chose qui soit plus qui varie en fait, hein, si tu veux créer des variations comme ça, tu peux créer énormément de choses en fait comme ça. Donc à ce sujet en fait, j'ai fait une deuxième vidéo qui parle de ça beaucoup plus en détail, si ça t'intéresse de créer tes propres sonorités, d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir faire des sons comme ça, de tes propres instruments, tes propres sons qu'on n'a jamais entendu ailleurs et qui sortent du lot, je t'invite à regarder la deuxième vidéo. Donc si tu es sur YouTube, tu vas voir, tu as un lien en fait dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Pareil, si tu es sur le blog, tu regardes, tu as les infos juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder comme ça à la deuxième vidéo où on va beaucoup plus en détail. Maintenant, pour aller plus loin, en fait, je voudrais te faire une espèce de petite réflexion en quelque sorte. Je vais te faire écouter trois sons. Rapidement là juste pour te donner un exemple en fait, pour illustrer un truc dont je voudrais te parler et bah, je te retrouve juste après. Donc ces trois sons que tu viens d'entendre, tu les as probablement déjà entendus, hein, même si tu n'es pas forcément fan du style musical en lui-même, ce sont des artistes qui sont très très connus en fait. Mais là surtout, ce qui nous intéresse, c'est quel est le point commun entre ces trois morceaux que tu viens d'entendre. Il y a un point commun qui est simple, c'est qu'on reconnaît facilement ces morceaux, en un clin d'œil on les reconnaît comme ça, facilement, rapidement, et des fois on peut pas se tromper, même si on n'est pas forcément un grand fan en fait de ces morceaux, de ces artistes. Et en fait le point commun, qu'est-ce qui fait qu'en fait on les reconnaît comme ça, c'est parce que ces artistes ils ont un peu leur grain, si tu veux, ils ont fait des sons à leur sauce. Et c'est ce point en fait sur lequel je voudrais un peu te sensibiliser. Quand tu crées tes sonorités par toi-même, quand tu crées tes propres instrus, tes propres sons, que ce soit pour créer des mélodies qui soient simples ou sophistiquées, ou pour des instruments rythmiques, des percussions, ou des bruitages, des FX, n'importe quoi, des sons qui évoluent, des uplifters, tu sais, des sons qui montent un peu, par exemple, comme ça, des montées d'énergie, quoi que ce soit, si tu les crées toi-même, en fait, ces sons-là, tu n'es plus dépendant de qui que ce soit, donc tu n'es plus obligé d'aller chercher des sons à droite à gauche, d'acheter des banques de sons, t'es plus obligé des fois de repomper le son connu. Des fois on peut reconnaître en fait un son qui est connu parce que c'est tel artiste qui l'a créé et qui l'a fait connaître via son morceau. Par exemple, imaginons là que si tu reprends la ligne de base de Benny Benassi, elle est quand même vachement connue. Enfin voilà, les gens, même les gens qui sont pas fans de cet artiste, ils vont te griller quoi, ils vont reconnaître tout de suite que tu as pompé en fait ce son quelque part et que tu t'en es resservi dans ta compo. Donc quelque part c'est un petit peu... Enfin, moi je le vois un petit peu comme décevant. Alors on peut quand même faire du bon son à partir des instruments d'autres personnes, hein. Je suis pas en train de dire que c'est que du négatif, mais c'est quand même beaucoup plus valorisant pour toi de créer tes bébés et de faire vraiment ton truc complètement à ta sauce et que ce soit 100% ta création, ta compo. Et donc voilà, donc si ça t'intéresse comme ça d'apprendre en fait à créer tes propres sonorités, à injecter vraiment ta personnalité, qui tu es en fait dans tes instrus, dans la création de tes instrus, de devenir indépendant en fait de toutes les banques de sons, des autres artistes, et en même temps d'avoir des sons qui soient complètement propres, hein, qui sonnent en fait professionnels, avec du corps, avec vraiment que ça tape bien, qu'il soit super nickel, et de pouvoir te créer comme ça ta banque de sons uniquement avec tes... Avec tes bébés, et de pouvoir faire gonfler ça autant de fois que tu veux, de faire grossir ta banque de sons
sur le long terme autant que tu veux, et bien si ça t'intéresse une fois plus, je t'invite à regarder la deuxième vidéo où on en parle beaucoup plus en détail. Tu vas voir en fait, dans la vidéo je parle de pas mal de techniques en fait qui te permettent comme ça de créer tes sons vraiment sur mesure comme tu veux, de les gonfler, d'obtenir un son qui soit nickel, donc sans petit bruit parasite dans le fond, avec un volume qui soit nickel, en fait qui soit perçu comme nickel en sortie, ajouter des effets, comment traiter plusieurs effets à la suite. Enfin, en gros, on parle de pas mal de choses. Il y a pas mal de choses techniques, mais il y a aussi des principes qui sont valables de manière un peu universelle. Et tout ça, ça fonctionne en fait quel que soit ton logiciel de studio, que tu sois sur FL Studio, que tu sois sur Cubase, sur Ableton Live, sur Logic, sur n'importe quel outil si tu veux, en utilisant des générateurs, des VST et des effets. Tout ça c'est un petit peu universel, c'est-à-dire que les principes à suivre pour créer tes sons sur mesure, ils fonctionnent tout le temps. Donc voilà, j'en dis pas plus. Si ça t'intéresse, encore une fois, tu as le lien de la deuxième vidéo donc sous cette vidéo. Sur YouTube, tu as ça dans la description. Sur le blog, c'est juste en dessous, tu as les infos pour voir cette deuxième vidéo où je te retrouve tout de suite.